Salut tout le monde, c'est Jolat. Et une fois de plus, on se retrouve sur Gmod Dark RP. Donc là, je suis sur un tout nouveau serveur que je connais pas. En plus, ça tombe super bien. On m'offre déjà 10 000 balles d'entrée de jeu. Tiens, j'ai bien envie de me mettre cuisinier. Je sais pas s'il y a des cuisiniers sur la map. Ok, il n'y a pas un cuisinier. On va faire fureur. Je me mets cuisinier direct. Impeccable. Je pense qu'en tant que cuistot, on va faire fureur. À mort les flics, mort aux mères. Eh ben, dis donc. C'est sympa ici, c'est vachement chaleureux. Bonjour. Oui. Une pizza, ça coûte combien s'il vous plaît? 10 balles, c'est C'est juste pour savoir au cas où j'ai besoin de vous. C'est 40, c'est 50. Allez, on va dire 50. C'est 50 balles. 50 balles? Ouais, 50 balles, ouais. Ah, ok, bah je reviendrai quand j'aurai besoin de vous, monsieur. Ça marche, au pire j'ai un téléphone. Ah ouais, vous êtes moins le moins cher en tout cas. Salut les gars. Salut, salut. T'as besoin de quelque chose? Pas forcément, non, j'ai besoin d'argent. Tu veux pas de boue? Bah si tu me la donnes, vas-y, mais j'ai pas d'argent. Oh mec, tu veux pas faire mer, parce qu'il y a pas de mer. T'as pas d'argent toi? Pas beaucoup, pourquoi? Viens, on se m'apparve. Par contre, je te vois en gros panneau. Dis-lui que l'autre en bas il dégage. Faut qu'on parle à faire. Avec le monsieur. T'inquiète, on vient de voir après, on vient de voir après. Tiens, prends ça. Ah, yes. Merci, c'est cool. Ouais. Impeccable, merci. Et ben voilà qui me fait 12 000 balles, les gars. J'en avais 10 000, j'en ai 12 000. Comment il s'appelle, lui? À l'impératif. Eh, toi, tu Je te jette tout ton argent. J'ai rien compris là, les gars, ils sautent dessus. J'ai rien compris, sérieux, j'ai rien compris. Toi, arrête de parler en même temps là, putain. T'as un problème? Putain, on comprend rien, sérieux. Eh mec, on dirait que t'as une casserole sur la tête. Vas-y, attends, viens me parler. Viens là. Viens là-bas. Parce que je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux? Jette tout ton argent. T'as craqué, mec. Bah vas-y, c'est pas grave, je réapparais, je m'en fous. Voilà, je suis là, tout simplement. En fait, il a craqué, il a cru que j'allais lui donner toute ma thune. Il est malade. Bah voilà, tu vois, je suis encore là, ça va vite. Ah, quand il aura bouffé toutes ses munitions, je vais me le faire. Non. Vas-y, on défonce lui là, tiens là. Alors. Toi, t'es chuté, je te bats sur le direct. Ah, ça te fait les pattes, ça, hein, mon vieux, hein? Hein? Oui, t'es chuté, ouais. Alors? Bah oui, t'as un cheat, oui. Alors? Hein? Ça te fait les pattes, ça, hein? Alors? Non, mais t'as un cheat. Donc ta gueule. Ça te fait les pattes, ça, hein? Oh, on est tombé sur un rageux. J'adore. C'est ça qui me plaît dans ce jeu. Et plus les gens y ragent, plus j'aime ça, voyez-vous. J'ai plus que 5 points de vie. Vas-y, en vente. Allez, vas-y, je vais acheter... Je vais acheter celle-là. F2, impeccable. Bon, je vais acheter un petit printer déjà, direct. A mon avis, ça se met sur le printer, ça, je pense. Hein. Oh, putain, on est... Waouh, comment que je suis shooté, c'est un truc de fou. Ouais, de toute façon, je vais pas le laisser s'en tirer comme ça, lui. Je vais acheter une arme. Bon, je vais chercher s'il n'y a pas un vendeur d'armes là, parce que lui, je vais retourner le voir. Lui, c'est obligé, je vais m'amuser avec lui. J'en cerne. Je vais laisser mon printer ici. De toute façon, je saurai que je reviendrai ici, direct. Voilà, impeccable. Je pense que les gars, je vais me suicider. Je vais me suicider parce que je suis trop shooté là. Allez, je fais le grand saut. C'est bon, impeccable. J'en cerne. Faut que je le vois. Non, pas l'autre, pas le panneau erreur là, il dégage lui. Monsieur Janserne? Quoi? Est-ce que je peux vous voir deux petites minutes? Oui. C'est pour quoi? C'est pour acheter une petite arme, s'il vous plaît. Et vous voulez quoi comme arme? Ça dépend ce que vous avez à combien. Un truc qui pète bien, quoi. Un truc qui pèse? Vous voulez quoi? Vous voulez que ça tire en rafale ou alors un pistolet? Ou non, plus un pistolet en fait. Un pistolet. Okay, ça se voit pas trop un pistolet, c'est discret. Moi je peux te conseiller. Un pistolet à côté qui tue en 2 balles. Enfin, c'est comme un magnum, mais c'est pas ah même, ouais. C'est pour 2000. Pour 2000. Allez, je l'achète. Ok. 2000, tac. Voilà. Comme ça, s'il y en a un qui me fait chier, je le bute direct. Je cherche pas à négocier. Impeccable, allez. Merci bien, monsieur Janserne. Vas-y. Je vais retourner voir le printer là. Salut. Tu vas où? Je vais chez moi. Et toi? Je fais un petit tour de voiture. Bon bah salut. Je vais monter en haut voir si je
toujours mon printer. Y'a personne qui a ouvert. Oh yes, 4000 balles, c'est bon ça. Je prends, je vais le laisser travailler. Putain, ça m'étonne qu'il y ait personne qui m'a appelé pour avoir à manger. Est-ce qu'il est toujours là, l'autre là Oh, je suis sûr, il a été ban et... ou alors il a changé de nom. Raizy de je sais pas quoi. Ouais, il est plus là, les gars. Je sors le magnum là. Enfin, disons que je l'ai sur moi. Cassez-vous, ouais. Oh, ils vont vers les quartiers riches. Je les prends en filature. Je vais les prendre en filature. Regardez-les. Ils montent là-haut, là. On va les suivre tout doucement. On va aller voir ce qui se trame. Regardez, ils sont là. Ils sont là-bas. Ouais, je suis sûr que je vais arriver. Ils vont m'attendre juste derrière le mur, là. Je vais me faire déglinguer. Ouah, qui c'est qui m'appelle? J'ai dû rater un appel. C'est pas grave. Ils ont dû bouger dans une maison. De toute façon, si je les croise... Oh putain. Je crois qu'ils sont là. Putain, des fois ça me fait bader quand les portes se referment toutes seules. Regardez-les, ils sont sur le toit. Oh les gars, pourquoi vous me tirez dessus? Pourquoi vous me tirez dessus, les gars? J'ai rien fait. Ah ouais, il est comme ça, lui. Il est sûr. Putain, je vois plus rien, je vois plus rien. Ça fait chier, je vois plus rien, là. Merde. Je vois plus rien du tout, les gars, là. Je suis... tu vois, ils m'ont niqué. Je sais pas si je mange une petite pizza. Si ça le fait, je vais essayer. Ah, yes. Yes, ça me redonne de la santé. C'est bon, ça. Je vais pas me laisser faire comme ça. Je vous le dis direct, je vais y retourner. Je vais essayer d'y aller tout doucement. Je vais me les faire. De toute façon, je vais me les faire. C'est soit je les tue, soit ils me tuent. Alors, ils sont où, là? Putain, je crois bien qu'ils sont dehors. Ah, ils sont montés sur le toit, à mon avis. Je vais aller voir à l'étage. Je vais attendre qu'ils rentrent chez eux, tranquillement. En plus, il tue du monde. Il a tué du monde, là. On va l'appeler, on va y faire comme les tueurs, regardez. Comment qu'il s'appelle? Teddy McTug. Oh, les gars, je crois qu'il est pas dans l'annuaire. Tanguy, Tony... Non, il est pas dans l'annuaire. Oh! Regardez, regardez, ça bouge là, je crois que le v'là. Il y a du monde là. Oh, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, les gars. Le v'là. Le v'là, le v'là. Oh, mais il s'habite. Il a pris une balle. Je crois qu'il sait pas où je suis. Il sait pas où je suis. Il est là, il arrive, il arrive. Il arrive. Je suis mort. Non. T'es mort, salope. Eh, hey, y a le. Eh, hey, toi, Alain, de me tirer dessus, non? Oh les gars, je suis dégoûté. Eh, l'autre, il m'a arnaqué avec son flingue. Il m'a dit deux coups, j'allais les tuer direct. Ouais, ouais, j'ai un lockpick. Ah, j'écoute les conversations là. Je suis en train de lockpick, les gars. Ouais, ouais, lockpick, vas-y. T'as raison, je m'en fous. C'est pas moi qui habitais ici à la base. Je voulais avoir l'autre là. Eh hey, mais comment qu'il m'a arnaqué l'autre en fait avec son arme là? Il m'a trop arnaqué. C'est un truc de fou. Il m'a trop arnaqué.
Et bah, je vais aller le voir là. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir, il est où? Tiens, il est là. Monsieur Janser? Monsieur, vous êtes où? Laisse-moi entrer, mec. Laisse-moi entrer, donc. Monsieur Janser? Monsieur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout à l'heure, je vous ai acheté un pistolet. Vous m'avez bien dit qu'il tuait en deux coups? Ah oui, à tout près, bien sûr. Deux coups ou deux chargeurs? Oui, il faut viser la tête, monsieur. Ah, faut viser la tête, parce que là, je viens de trouer un gars comme une passoire et il était toujours pas mort. Ah ouais, mais il faut être prêt, il touche la tête. Il est bien trop prêt ou pas? Monsieur, vous... Oui? Je vais vous dire une arme qui est bien, ça s'appelle un M3. Et lui, c'est mal choix pour tout vous tirer. Et combien qui coûte? Il y a un problème, en fait. Je vais devoir vous la rembourser. Êtes-vous prêt à mettre 3100? Ouais, dépêchez-vous. Ah, 3100? Non, monsieur, 3000. 3000, allez, 3000. Je l'achète. Pour vous. 3000, je l'achète. Okay. Vous l'achetez pas, monsieur? Vous l'achetez énorme, j'ai entendu. Je vais. Monsieur, mettez l'argent dedans. Monsieur, mettez l'argent dedans. Vous avez une licence? Non, mais j'en veux bien une. Il a une licence, un cuisinier, il peut, non? J'en veux bien une, bah, allez voir le maire, j'en veux bien. Mais je suis. Policier, monsieur, il y a une prise d'otage, À terre. On est à terre. Tous à terre. Oh, je crois qu'elle est morte, ta prise d'otage, mec. Au revoir. Elle est toute ratée, ta prise d'otage. Qui a tiré? Voilà. Ouais, je voudrais... Bon, je prends pas l'argent, madame. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, vous avez pas de licence? Allez voir un vendeur d'armes. Ouais, mais pour le M3, j'ai pas besoin de licence, apparemment. À moins que. Tu n'y vas pas, pour 50 euros. Allez, pour 50, fermez les yeux, je vais tranquille. Allez, 50, allez. Allez. Et c'est le bordel dans votre magasin. On s'y retrouve pas. Putain, les gars, c'est le bordel, sérieux. Vas-y, je vais attendre qu'il y en ait qui sort. Je peux avoir une petite arme maintenant qu'il n'y a plus personne, là? Ah oui, donc ça sera 3000, monsieur, pour vous. C'est bon, voilà. Oh yes, ça c'est bon ça. Ça je vais shooter avec ça, merci bien. Il t'a dit ouais, il est disparu pour un bon. Au revoir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner voir mon printer en espérant qu'il s'est pas fait voler. De toute façon, je verrai bien hein. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé lui? Mon dieu. Bonjour. Yeah, j'en ai marre. Bonjour monsieur. J'ai trouvé une victime. Elle est inerte, elle répond plus. Monsieur, il y a une victime à terre. Je sais pas où il est. Hein? Je sais pas où il est, le mec. C'est pas rien, la victime. Je l'ai trouvé totalement comme ça. Trop tard. Ok, monsieur, continue, s'il vous plaît. Vite. Ouais. Et joue RP, je t'enlève tes armes, tes moyens de communication, tes... T'es attaché et puis t'as pas le droit de parler, tout simplement. Ah ouais? Alors maintenant tu vas me donner toutes tes thunes. Ouais, tu vas me donner toutes tes thunes. Ok. Tu me les lâches par terre. Alors jeter de l'argent. Je vais y filer 2 dollars. Et puis tu vas monter avec moi, viens. De l'autre côté, gars, de l'autre côté. Dis-moi que c'est de l'autre côté, gars. Voilà, qu'est-ce que tu fais toi? Dégage, je me laisse pas prendre en otage. Si on repasse, je m'enferme là direct. L'autre, il a vraiment cru que j'allais monter avec lui quoi. Il est malade, il a cru que c'était la fête, normal. Si je le recroise, il va se prendre une cartouche dans les fesses là. Ça va lui donner un peu de boost. Ce qu'il y a, c'est que j'ai même... Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais. Oh, ça se trouve, c'est lui le panneau erreur là-bas là. Vas-y, je vais aller à mon printer là. Ah, c'est bon, je suis médecin. Okay. Attention, madame, ça va exploser. Ouais, j'ai vu. Putain, il y a encore un truc à exploser. Votre monnaie printer a explosé. Ah, je suis dégoûté. Putain, il y a une bagnole là-bas. Attends, par contre, moi je prends les armes. Parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a fait exploser. Ah, je suis dégoûté. Allez, vas-y, je vais en reposer un tout de suite là, mais là, ce coup-là. Faut que ça fasse, faut que ça print. Faut pas que je déconne. Voilà, impeccable. Je vais peut-être mettre ça là. Je crois que ça va dessus.
direct. Impeccable.